après chaque attentat, les Allemands servaient. Au début, c'était 10 otages fusillés pour un Allemand. Quand j'ai quitté le camp, c'était 20 pour un. Tu t'en fous, toi, t'es pas juif. Tu sais ce qu'il a dit, Hitler ? Qui aujourd'hui se souvient des Arméniens ? Moi, ma famille, ça fait longtemps qu'elle a disparu. Mais j'ai de la chance, puisque vous tous, vous êtes devenus ma famille. Une famille de combattants qui ne laissera aucun répit à l'occupant. Je n'ai pas peur de la mort, mais je ne veux pas la donner. C'est une question d'éthique. Qu'est-ce que c'est, éthique ? Cet endroit doit rester neutre. Sauf votre respect, aujourd'hui, il est impossible de rester neutre. J'espère que cette guerre ne va pas durer. Il faut se battre pour qu'elle se termine un jour. Il faut arrêter vos actions isolées. Ça sert à rien. On doit être organisé comme une armée, avec une discipline. Les attentats se multiplient. Les terroristes, il faut les terroriser. Dites au général Aubert qu'il ne sera pas déçu par la police française. Police ! C'est l'étroite collaboration de notre police avec l'armée allemande qui est notre principal atout. Ils viennent tous de la rue des immeubles industriels. Un nid terroriste. Des juifs polonais, hongrois, mais aussi des communistes espagnols et italiens, avec à leur tête leur chef de bande, arménien. N'oubliez jamais ça. On tue des hommes, mais on est du côté de la vie. Peut rien nous arriver ici. C'est le pays des droits de l'homme. Je suis devenu un vrai combattant. On ne peut plus reculer. On ne peut plus revenir en arrière.